Ouais, 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 par là, passe, passe, passe la balle, passe, passe. Je l'ai, je l'ai. Moi, j'aime bien Flavien, il est mignon. Flavien, il a une tête énorme sur un corps tout petit, puis il sourit tout le temps, tête de débile. En plus, il arrête pas de se casser la jambe, c'est tellement romantique. Moi, j'ai pas d'amoureux. Tu parles, tu craques trop pour Médéric. Ça se voit, à chaque fois qu'il te parle, tu rigoles comme une idiote. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Salut Margot. Salut. De toute façon, vous pourriez jamais vous voir. Il se fait coller un jour sur deux. Comme la fois où il a écrit Prout sur le bureau de Monsieur Lamotte. N'importe quoi. C'est vrai que son côté mauvais garçon, c'est mignon. Mauvais garçon. Et toi, t'as quelqu'un? Hé, hey, salut Raymond. Ah, salut Louise. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Moi, ça va super, Louise. Justement, je me disais que tiens, peut-être... Aïe! Ça va, Raymond? Rien de cassé? Ah, tu sais, j'en ai vu d'autres. Je suis costaud, moi. Oh, tu me rassures. Dis, en fait, tu viens toujours au cours de musique demain? Oui, je vais voir, à moins que je me fasse coller par Monsieur Lamotte entre-temps. Toi, coller? Tu sais, ces trucs-là, ça te tombe dessus comme ça... Mais voyons Raymond, tu t'es jamais fait coller, ça t'arrivera jamais. Ben pourquoi? T'es beaucoup trop gentil. C'est pas si mal d'être gentil, non? Tu parles, c'est le truc le plus affreux qu'on m'ait jamais dit, c'est nul d'être gentil, ça fait super niais. Alors, comment tu me trouves? Oh Jim, tu es tellement gentil. Ah ça, Médéric et l'autre grosse tête de Flavien, ils sont pas gentils. C'est des vrais mecs. Ils répondent aux profs, ils se cassent la jambe. C'est ça que veulent les filles. Elle a dit ça sans réfléchir, elle se rendait pas compte. Mais non, Marcello, elle a raison, c'est ça le pire. Je suis trop gentil, je prends jamais de risques. Je fais rêver personne, moi. Faut que ça change. La Terre ressemble donc à une sorte de grosse pomme qui tourne autour du Soleil de façon... Mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Tu vas te faire coller? Justement, comme ça, Louise, elle verra que je suis un mauvais garçon. Que se passe-t-il, Raymond? Un problème? Oui, non, je... Qu'est-ce que c'est que... C'est encore un coup de Médéric? Monsieur, je vous jure que c'est pas moi, j'ai... Oui, comme d'habitude, ce n'est jamais toi. Tu seras collé demain soir et tu me copieras 100 fois le cours de ce matin. Mais monsieur, c'est vrai, c'est pas lui, c'est moi qui... C'est gentil, Raymond, c'est très gentil de ta part, c'est même adorable. Mais je sais bien que tu es incapable de faire une chose pareille. C'est un cauchemar. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour prouver que je suis pas gentil? Je vais quand même pas montrer mes fesses au prof. Tu es collé toute la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire, Valérian, de baisser le pantalon de son camarade en plein cours? Mais c'est lui. Et qui... ne me dis pas que ce n'est pas toi, hein. Tu vas me payer ça, le rouquin. Les gars, faut m'aider à trouver des idées là. Va falloir que tu mettes le paquet, Raymond. Toi là-bas, collé. Yvon, tu es collé. Non, je t'ai reconnu. Collé. Bertie, collé. Marcello, collé. 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 Les enfants, je ne comprends vraiment pas votre attitude ces derniers jours. Prenez donc exemple sur Raymond. Ce n'est pas lui qui ferait des bêtises pareilles. Je suis désolé, les gars. C'est pas grave, t'as fait ce que t'as pu. C'est quand même dingue que Lamotte soit aveugle à ce point-là. On peut peut-être le faire changer d'avis? Non, laissez tomber, les gars. Faut pas se mentir, je suis un type bien. C'est comme ça. Tu dis ça parce que t'es énervé. C'est quoi ton manège, Raymond? Tu veux nous faire virer? On sait que c'est toi qui as fait toutes ces bêtises. Non, mais attendez, je vais vous expliquer. Ouais, bien sûr. Ils sont débiles, quoi. Ah mince, j'ai fait une tâche. De toute façon, je m'en fiche, je serai jamais puni. Raymond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui as fait ça? Ben oui, enfin, c'est juste une petite tâche, quoi. Une petite tâche? Tu plaisantes, j'espère. Ah oui, en effet.
Tu me déçois énormément. Tu seras collé jusqu'à ce que tu aies tout nettoyé. Yes! T'as vu, c'est fou, hein, pour une fois que j'avais rien fait. L'important, c'est le résultat. Tout le monde croit que c'est toi qui as fait le cours, Raymond. Ah ouais, c'est trop la classe. Vous croyez que Louise m'a vu? Salut, Raymond. Bon courage. Ah, merci, Louise. Ça devrait aller. Je vais m'en sortir, c'est rien. Wow, t'as vu comment elle t'a regardé? Les gars, je crois que ce coup-ci, elle a compris qui je suis vraiment. Elle a vu que j'étais capable d'être un mauvais garçon. Et ouais, faut pas me chercher, moi, sinon, tac, je suis capable de tout, je suis un dingue. Maintenant, elle me traitera plus jamais de gentil. Il a vraiment pas de chance, Raymond. Tout ça, c'est à cause de Valérian. C'est vrai que Raymond aurait pu le balancer à Monsieur Lamotte et il l'a pas fait. Ouais, je sais. Mais c'est ça qui le rend tellement... choupinet. Ha 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 ha!